L'Agence nationale des parcs nationaux était au cœur de l'Assemblée générale des agents de cette entité à laquelle prenait part le secrétaire exécutif de l'ANPN. On fait le point avec Jean de Dieu, Ogoms Gombi et Pierre Claverella. Le paiement des salaires, le statut des éco-gardes et l'assurance complémentaire, autant des sujets abordés au cours de cette Assemblée générale présidée par le secrétaire général exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux. L'Agence nationale des parcs nationaux fonctionne sur une subvention de l'État. Nous avons souvent un mois, deux mois de salaire, de retard de salaire. Non pas au fait que l'État a mis en place cette subvention, mais dû au fait que l'approvisionnement dans nos comptes ne se fait pas de façon régulière. Et donc, il fallait leur expliquer que l'État met en place un budget. Ce budget est mis en place, ce budget est parfois transféré au Trésor, mais le Trésor public gabonais a parfois des tensions de trésorerie qui ne dépendent pas de l'ANPN. Une occasion qui a permis au patron de cette entité de présenter au personnel la nouvelle dynamique impulsée par les nouvelles autorités du pays. La satisfaction est d'abord celle de percevoir nos salaires de manière régulière. Nous ne savons pas quand est-ce que nous serons payés. Donc du coup, nous n'avons pas les salaires de manière régulière. Et là, ça nous offusque totalement. D'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, que l'éco-garde qui fait la fierté du Gabon sur le plan environnemental à l'international soit reléguée au dernier rang. Créée il y a 15 ans, l'Agence nationale des parcs nationaux compte 700 agents. Elle a une autonomie administrative et financière pour un budget de